Bonjour à tous les amis, voici les clés de cette nouvelle Volkswagen ID7. C'est parti, l'essai complet. On fait ensemble le tour du véhicule, un véhicule qui fait à peu près 4,96 m de long et 1,86 m de large. Et Maxime, en hauteur, on est à 1,54 m. 1,54 m, vas-y, mets-toi à côté, tu fais 1 m combien? 1,85 m. Donc c'est quand même une grande berline routière. Quand je dis grande, dans le sens mesuré du terme, on n'est pas sur une berline classique comme une Volkswagen Arteon ou quoi que ce soit. Quoique sur les lignes, ça y ressemble un peu, regarde, sur le côté. Ouais, ici. Ouais, les batteries sont en dessous du châssis, elles constituent d'ailleurs ce châssis. Vous allez voir, on va faire ensemble le tour, hein, bien sûr extérieur, avec ce joli coucher de soleil et cette peinture magnifique qui s'appelle Bleu Aquamarine, pendant que l'animation des feux arrière s'illumine. C'est un espèce de joli bleu avec des reflets qui sont vraiment, qui rendent vraiment la carrosserie très belle et qui donnent de l'allure, hein, et un petit cachet supplémentaire. Regarde, ces petits reflets là de carrosserie, c'est magnifique, pailleté, métallisé. Alors Maxime, mon cher Maxime, on va concurrencer clairement sur ce genre de marché. Tesla Model S. Ouais. Kia EV6, V6 GT, Hyundai Ioniq 6. Et puis après, si tu veux taper dans du haut de gamme, on va être sur de la Porsche Taycan, Mercedes EQE. Non, c'est pas la même. Mercedes EQE, pourquoi pas. En tout cas, on est sur des lignes assez fluides dans l'air du temps quelque part, avec aussi, sur ce genre de berline, coefficient de pénétration dans l'air, un CX de 0,23, 0,24 pour la version break qu'on a pu voir, apercevoir sous sa version camouflée. Donc là, on est sur la version berline, limousine pour certains. Première berline électrique pour Volkswagen, puisqu'on a eu l'ID3, l'ID4, l'ID5, l'ID Buzz. Le dernier né des voitures électriques chez Volkswagen, c'est l'ID7. On est sur une finition style exclusive, donc c'est le deuxième niveau de finition, c'est la finition la plus haute. Ce modèle précisément coûte à peu près 74 000 euros, je crois. Et à 63 000 pour la version style. Pour la version style, ouais, de base. C'est ça. On est sur une batterie ici de 77 kWh, face avant, avec cette calandre spécifique à cette ID7, les feux, les projecteurs IQ Light et ce petit bandeau qui va éclairer l'avant. On n'a pas encore les logos éclairés comme on pourrait avoir peut-être sur le nouveau Volkswagen Touareg. Ouais. Et puis on va faire un petit focus sur les lignes qui sont dans le vent quelque part, avec un capot déjà un peu musclé. Un design qui va ressembler sous ses airs un petit peu de, je vais être un peu provocateur, mais un C5X, clairement ici. On a des airs un peu pareils ici sur le trois quarts arrière du feu. Tesla Model S ou Model 3, regardez ici, là, ça ressemble vraiment. On a aussi une coupe un peu à la 408 ici. Il y a des traits qui ne sont pas anodins en termes de design. Et puis on a cet énorme montant en aluminium qui vient souligner ce design fuyant quelque part, avec, je l'avais pas remarqué, mais cette partie vitrée, tu vois, ça c'est assez original. En tout cas, jantes 20 pouces au style qui sont très agréables. Pour une fois qu'on a une voiture avec des jantes, des grosses jantes de 20 pouces, avec un style à la fois aérodynamique, plutôt sportif. Et puis ici, si on regarde un petit peu les arêtes tendues, les poignées affleurantes pour des coefficients de pénétration dans l'air, et cet élément aussi aérodynamique qui est creusé dans la portière. Et juste pour revenir sur les jantes, c'est une option qui coûte 635 euros. Ah, merci. Ce modèle-là. Merci Maxime. Et voilà. Puis, si on doit regarder ce qui se cache derrière ces jantes, surtout à l'arrière, attention, on a des gros tambours, un peu comme sur l'Audi Q4, l'ID4 ou l'ID5. Ce sont des tambours qui permettront de récupérer plus facilement l'énergie sur le moteur qui est situé à l'arrière. Ça reste une propulsion, il me semble. Petite dernière animation de nuit, surtout sur les clignotants défilants ici, avec, tu le faisais remarquer tout à l'heure, Maxime, ici, ces lamelles superposées à l'arrière, du plus bel effet, on aime ou on n'aime pas. Et puis effectivement, quand on éteint le véhicule, on a une espèce d'animation qui va arriver d'ici quelques secondes, voilà. Et une fois que la voiture est éteinte, on a des feux blancs, un peu style Lexus ou un peu Saab 9-3 à l'ancienne pour ceux qui ont la référence. Et puis pour ceux qui ne savent pas encore sur quelle voiture on est, ID.7, ID7, voilà. Alors un truc que j'aime pas forcément, et Maxime l'a déjà souligné aussi tout à l'heure, c'est ce bandeau réfléchissant rouge qu'on retrouve aussi sur les Tiguan. Ouais. Et c'est vrai que quand on le voit un petit peu dans le flux de circulation, c'est pas esthétiquement super beau. Noir laqué. Noir laqué, ouais. Mais en fait, il est...
Il vient jurer un peu le pare-choc. Hein, le bouclier arrière est pas très 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 beau. T'as vu la petite antenne requin, le feu stop qui prend toute la largeur comme tu dis. Et puis on va refaire un petit tour trois quarts avant quand même. On est sur des pneus Bridgestone. Et puis effectivement, ici, une entrée d'air pour refroidir tout le système de batterie avec les radars cachés un peu partout. Et puis un autre écoulement d'air ici pour les flux d'air. Voilà, ça c'est une voiture qui est taillée pour la route. Allez, on continue l'aventure pour cet essai avec Mister Maxime. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ici, en se posant un peu, on voit les traits un peu aussi de signature lumineuse d'Audi A7 par exemple. Bon, j'exagère un peu, mais sur cette partie-là ici, on peut voir un peu une ressemblance. Voilà, il y a plein de petites ressemblances avec cette i17. Le feu est vert, alors on roule en silence à bord de cette Volkswagen i17. Que vaut cette jolie Volkswagen i17 en ville? Bah écoutez, déjà, c'est pas forcément son terrain de jeu préféré. On est sur une grande berline routière, faite pour les longs trajets. On rappelle ses dimensions, 5,96 m de long et 1,86 m de large. Autant vous dire que même si on évolue en silence, ça n'efface pas son gros gabarit XXL. Alors, l'avantage de cette i17, c'est son rayon de braquage. Un rayon de braquage qui permet d'atteindre les 10,9 mètres. C'est vraiment pas mal, c'est digne d'une citadine ou plutôt d'une voiture compacte, telle une Golf 8 par exemple. Donc un bel avantage. En plus de ça, vous avez toutes les aides, les caméras à la conduite qui permettront d'éviter de rayer la carrosserie ou d'éviter de rayer ces très belles jantes de 20 pouces. Maxime, je te propose de faire un petit point sur les consommations. On est sur des consommations qui sont plutôt pas mal. Hein. Sur 35 km, on a fait à peu près 17 kWh, un mix entre ville et autoroute. Et surtout qu'on est dans la très belle région de Marseille et des environs. Donc autant vous dire que ce n'est pas forcément des routes très plates. Donc les 15 kWh ou 14 kWh annoncés en norme WLTP, on peut, je pense, facilement les atteindre grâce au coefficient de pénétration dans l'air. Hein. Le CX, il est de combien à peu près? 0,23, c'est un très bon score. Alors ça y est, Maxime, je t'ai laissé le volant. On va refaire un petit périple autoroutier, donc on fera un petit point consommation. On va juste baisser le volume. Alors c'est pas forcément évident ces boutons tactiles, ces commandes tactiles plutôt. En revanche, grosse dalle tactile de 15 pouces, c'est juste énorme. Et autant vous dire qu'ils ont fait un vrai progrès hein, sur le software ID 4.0. Ça réagit super bien, c'est ultra réactif, ça lag pas, c'est vraiment voilà, tout est vraiment bien pensé et ultra fluide. Hein, c'est pas smooth comme les anciens softwares. Donc là, un véritable progrès. Et au quotidien, même pareil, tu veux régler hop rapidement la température, ça réagit au quart de tour et ça, c'est ce qui manquait vraiment sur les anciennes versions des softwares. Bon bah heureusement, Volkswagen a corrigé le tir sur cette i17. Donc on se fera un petit point autonomie. On arrivera à 50% de la batterie. On est sur une batterie de 77 kWh. Bon, on va vous donner quelques conseils, quelques astuces pour gagner des kilomètres. Déjà, il faut avoir le bon chauffeur qui opte pour une conduite ultra économe, c'est-à-dire très léger sur l'accélérateur. 100% garanti. Hein, 100% éco, hein, d'accord. D'ailleurs, le mode éco ici, parce qu'on a plusieurs modes de conduite, hein, le mode éco, le mode confort, le mode sport, le mode individuel. Le mode individuel, tiens, je voulais te faire voir un petit peu qu'il est possible de régler jusqu'à... Allez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ou 18 positions, la dureté des suspensions. Ça, c'est uniquement sur l'option suspension DCC, donc suspension pilotée. On revient sur le mode éco pour gagner quelques kilomètres. On éteint la clim, bien sûr. Hop, là, je l'ai éteint. Et on va réduire un petit peu la ventilation. Et on gagne... Là, on est à 59% de batterie pour 279 km restants. On va voir combien il va nous rester de kilomètres à 50%, puisqu'on n'a pas eu l'occasion, encore une fois, de charger la voiture. Dès qu'on le pourra, on chargera la voiture à 100% pour voir exactement l'autonomie réelle. On a 286 chevaux. 286 chevaux. C'est plutôt pas mal. C'est agréable à conduire. C'est souple. C'est réactif.
malgré le poids qui avoisine les 2 tonnes 3. Ouais, c'est ça, hein, 2 tonnes 3, 2 tonnes 2, ça dépendra des équipements aussi. C'est ça. Bon, Mister Maxime, ça y est, on est arrivé aux 50% de la batterie et il nous reste 240 km. Ça veut dire que potentiellement, avec ce genre de conduite sur autoroute, tu pourras faire à peu près 480 km, voire 500 si tu as un peu plus le pied léger et tu roules plutôt à 110 plutôt qu'ici à 130 km/h. Et on est en éco. Et on est en mode éco et on est sur une consommation, vous le voyez ici les amis, à 23 kWh. Voilà, vous êtes prévenus, si vous faites de l'autoroute, ne roulez pas à 130 km/h mais plutôt à 110 pour pouvoir prétendre à dépasser les 500 km en autonomie. Vous êtes prévenus. Bon alors, tes impressions de conduite, là tu me disais un truc intéressant il y a quelques secondes. Bah c'est vrai qu'en fait on est vachement bien installé, c'est une voiture qui est agréable à conduire, on a une autonomie qui est quand même pas trop mal. Le fait d'avoir mis les batteries en fait sous le plancher, ça donne une impression de hauteur et je suis sûr qu'on est installé aussi haut que dans un Renault Captur comme juste là. Ouais, je te confirme, je suis à la même hauteur que la conductrice. Ouais. Donc effectivement, on est sur une typologie de berline assez haute, des grandes berlines. C'est ça. C'est un peu la mode aujourd'hui, hein. C'est des berlines hautes, bah forcément comme tu disais, pour loger les batteries en dessous. Pas choix, il fallait bien les mettre quelque part. C'est paisible, hein. On a très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement, une très bonne insonorisation. Alors on n'est pas à la hauteur d'une Mercedes Classe S par exemple, que j'ai pu essayer il y a quelques jours, mais quand même ça fait vraiment clairement le taf. Et puis les suspensions sont vraiment très bien réglés et bien maintenus dans ces excellents sièges ergonomiques validés par des thérapeutes allemands ou kinésithérapeutes allemands. Exactement. Et ils sont massants en plus. Ils sont massants, ventilés, chauffants. Et en plus de ça, un truc de dingue quand même, c'est que nous avons des sièges où il va détecter l'humidité du corps. Donc thermorégulant. Régulant, voilà. Je pense que ça empêche de transpirer dedans. Exactement. Donc normalement, t'es pas censé transpirer dans une i17. Voilà, tu es prévu. Bon Mister Maxime, on va se mettre en mode sport juste pour voir les accélérations. Parce qu'apparemment, on est sur un 100 km/h abattu en 6 secondes. On va voir ça tout de suite. Hop. Et bien sûr, les consommations vont vite augmenter. Donc là, c'est pas forcément un bon conseil pour faire des records de consommation. Et alors, on va voir tout ça. Et là, c'est parti. Et on est à 100. Oui, t'étais à fond. Ouais. Ça va, c'est pas non plus transcendant, tu sais, y a pas de décoller au siège, c'est vraiment c'est très linéaire. Smooth, ouais. C'est smooth, c'est très smooth. En tout cas, 286 chevaux, largement suffisant avec un couple instantané pour se faufiler, s'insérer dans la circulation pour doubler tout simplement un camion. Exactement. Voilà. Chose que tu vas faire dans quelques secondes. C'est de la sécurité avant tout, c'est pas du plaisir. Ah, exactement. Quoi qu'en vrai, on reviendra tout à l'heure au volant, mais il y a une petite surprise quand même. Allez. Bon, petit point consommation, on a réduit la capacité de batterie à 41%. Il nous reste 189 km, on est sur autoroute. Et Maxime n'a toujours pas compris qu'il fallait rouler à 110 km/h. Malgré ça, on a une belle petite conso. Hein. Presque 20 kWh au 100 km, c'est plutôt pas mal sur une distance de 54 km. On va faire le changement de volant et on va s'arrêter pour voir un petit peu l'intérieur et l'habitabilité sur cette nouvelle Volkswagen i17. Poignée ici, bien intégrée hein, dans la portière. On fera justement, on va décortiquer un peu l'intérieur juste après. Et là, Mister Maxime, on va voir un petit peu l'habitabilité. Alors non, on va mettre le coffre, on va mettre la veste dans le coffre. Alors le coffre, on est sur un volume de 532 litres de volume de chargement, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est un peu moins qu'un ID5, mais ce qui est plutôt pas mal pour la catégorie, avec un petit rangement en dessous pour mettre, je sais pas, les câbles ou... Les câbles, c'est encore en dessous. Ah, c'est encore en dessous, ok, là, d'accord. C'est un double fond. Ok, très bien. Mettre des petits objets étroits. Et là, si tu veux rabattre les sièges à l'arrière. Voilà. Voilà. Et voilà. Plancher plat ou pas? Alors, pas presque plat. Presque plat. Mais
Là, je t'invite plutôt, Maxime, si tu souhaites avoir une berline ou plutôt un break avec de l'espace, bah, la version Tourer, c'est ça. La version wagon, ouais, de l'i17 qu'on a pu voir tout à l'heure. On mettra les incrustations à l'écran. Ouais. Et là, tu auras un peu plus de coffre, mais surtout... plus de hauteur de chargement. Exactement. C'est peut-être plus pratique pour charger des objets encombrants. Ouais. Après, tu gagnes pas tant que ça en volume de coffre. Ouais, le volume de coffre, c'est pas énorme non plus. Mais en termes de style 20. Aussi, ouais. Tu gagnes 20 litres en volume et tu perds en autonomie un petit peu, je crois, peu 10 à 20 km. Ouais, donc on est à 0,24 en CX. Sur les breaks, ouais. Et 0,23 sur la berline. Alors on va remettre les sièges, parce qu'après on fera le test habitabilité. Les sièges creusés. Et le coffre, je pense qu'on a fini. Ah si, regarde, le petit bouton là. Si tu appuies sur le petit bouton ici, c'est le crochet d'attelage. Eh ouais! Démonstration. Voilà, donc si tu veux remorquer, c'est possible, même avec une berline électrique. Allez, je te laisse le replier parce que esthétiquement, c'est pas super beau. Quoique, c'est une technique pour éviter de te faire rentrer et d'abîmer le pare-choc en ville. On se retrouve à l'intérieur. Et on se retrouve à l'intérieur. Vas-y, je te laisse t'installer. Poignée affleurante. Alors, la poignée, c'est vrai qu'en main, ça fait un peu cheap. Hein. T'as vu quand tu ouvres un peu la portière. Ouais, il n'y a pas trop de retour. Ouais, le retour est un peu bizarre. Alors, on va commencer par les contre-portes de qualité. C'est vrai qu'on monte en gamme. Hein. Intérieur un peu plus haut de gamme que sur un i10-5, par exemple. Là, il y a eu un vrai effort de fait des équipes et des designers de chez Volkswagen avec un système IFI Raman Cardon qui est compris dans un pack de chez PAC. On a de l'Alcantara, je vous l'ai dit, des plastiques noirs. On a ici des inserts lumineux de nuit qui éclairent de différentes couleurs. Un petit liseré bleu. Pour dire qu'on est sur une voiture électrique, je pense pas qu'on ait le choix de la couleur sur les liserés. Et on arrive sur cet habitacle avec une accessibilité qui semble assez correcte. Toi, tu mesures combien, Maxime ? 1m85. Pour... Au niveau de la tête, il te reste à peu près une dizaine de centimètres. Ouais, de 3-4 centimètres peut-être. mais c'est pas gênant du coup. Et au niveau des genoux, ça va, t'as de la place ? Largement. Ok. Plancher presque plat. Enfin, même plat. Hein. Ouais, plat, il y a une marchette. Une petite marchette, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tunnel de transmission parce que le moteur électrique est, lui, à l'arrière et les batteries sont sous le plancher. Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure au volant qu'on est sur une hauteur d'accessibilité un peu plus haute que sur une berline classique. Et puis, on a des sièges un peu creusés. Ah oui, t'as le petit accoudoir. Si tu veux partir au ski avec ton i17, avec un accès directement dans le coffre. Bon, ça, quelque chose d'assez classique. Nous abîmer la sellerie. Alors attention, c'est pas du cuir, hein. C'est du cuir vegan, simili-cuir. Bref, on est habitué. Recyclé, bref. Il n'y a rien d'animal dans cette voiture, à part Maxime. Et moi-même. Alors, bien moelleux. Hein. J'ai rarement vu un accoudoir aussi moelleux comme ça. Des petits porte-gobelets. Et puis, à l'arrière, tu auras des sièges creusés, légèrement inclinés, qui sont pas réglables. Tu pourras mettre aussi deux sièges bébés avec les fixations ISOFIX ici. Et ici, bien sûr, la place du milieu sera, elle, réservée à ceux qui sont punis à la place du milieu. Vas-y, fais-moi le test. Ouais. Non, c'est vraiment pas... Et là, pour le coup, je touche. Là, tu touches. Okay. Là, je touche. Alors, les petits rangements ici pour mettre tes smartphones, tes téléphones, ce que tu veux. Ici, un petit rangement. Des petits rangements ici avec une petite feutrine à l'intérieur. Moi, je vais m'installer à bord. Et écoute, je crois que c'est une première. Deux adultes, ouais. Franchement, on est bien. T'as vu ça ? Attends, moi, je vais fermer la porte. On est vraiment bien. Ah ouais, franchement, on est bien. Regarde, on est pas bien. On pourrait presque parler comme ça, discuter un petit peu de tout et de rien. Alors, j'adore ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Non. Et t'as la possibilité de l'occulter. Ouais, en fait, il se pacifie. En fait, ça permet de gagner en hauteur parce qu'il t'a pas de store à mettre. Le problème, c'est en fait, ça sera toujours lumineux. Après, tu peux peut-être nous faire la démonstration en live. Attends. Mais c'est on-off, il n'y a pas de progressivité. Je pense. Ah ok, et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on a déjà anticipé ce petit problème technique. Ouais. Et ben, on vous mettra les incrustations. Exactement. À l'écran, hein. Ok. En tout cas, on est bien. Il y a de la place à bord. Et prise USB-C pour recharger. Ouais, prise USB-C. Ouais. Les commandes de clim et de chauffage. Siège chauffant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec la vue sur le cockpit qui reste assez classique. Hein. On est sur un intérieur très classique, mais confortable. Franchement, je suis très étonné. Vas-y, mets-nous le petit accoudoir comme ça. Ah ouais. Là on est bien. Franchement, là on peut faire vraiment des longs trajets. Et en termes de longs trajets, Volkswagen annonce entre 620 km et... Entre 615 et 620 je crois. Ouais. En cycle mixte et... Et 700 775 en ville, je pense que c'est peut-être un petit peu optimiste quand même.
Tu vois, là, je sais pas si tu vois ma tête. Je sais pas comment ils font ces relevés. Alors, demain matin, la voiture, normalement, sera chargée à 100%. Donc, on pourra faire le vrai relevé sur l'autonomie par rapport à notre conduite. On a pas eu une conduite ultra sportive, dynamique. Donc, on a eu une conduite lambda de monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça. Sauf Maxime sur autoroute qui était à 130 au lieu de 110. 130 au lieu de 130. Je te propose de passer à l'avant. Eh ben, allons. Allez, on y va. Alors, bien sûr, il n'y a pas de soft close, regardez. Eh non, il faudra flanquer la portière. Voilà. Bon, c'est pas le réservoir à carburant, mais t'as vu comment il s'ouvre? On verra si... T'as vu, c'est marrant. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas bête, parce que d'habitude, on ouvre comme une trappe à essence, ouais. Sauf que là, tu vois, quand il pleut, eh ben, au moins, ça protège la prise. Donc, prise avec... prise CCS, donc on a la possibilité de faire des charges soit en 11 kW ou en 200 kW, donc charge maximale sur la charge rapide avec la prise CCS. Ferme ça et on passe à l'avant. Regarde la petite, le petit ajustement ici. Alors je sais pas si c'est pour protéger la carrosserie, pour des flux d'air ou parce que la jante dépasse peut-être de la carrosserie, je ne sais pas. Alors l'intérieur de qualité, installe-toi à bord mon coco. Un intérieur où il fait bon d'être assis, ouais, au volant de cette i17. Alors, il y a des choses qui sont plutôt bonnes et d'autres un peu moins bonnes. On va d'abord allumer le contact et en allumant le contact, eh ben on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'allumer, d'appuyer sur le bouton de contact. Non, du tout. Là, on a juste à passer en mode drive et on peut partir. Ça y est, donc ne lâche pas l'accélérateur, non. S'il te plaît. Alors, un intérieur où, effectivement, on le disait à l'arrière et ça se ressent aussi à l'avant, on a un effort de fait sur la qualité des matériaux, un peu plus qu'une ID 4 ou une ID 5. Là, on est quand même sur des matériaux un peu moussés, même si on sent vite la limite du rembourrage. Pareil ici, sur le tableau de bord, on a ce petit liseré avec ces petites surpiqûres. Alors c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. On a ces aérateurs qui sont super bien intégrés. D'ailleurs je sais même pas où ils sont là. Et puis on a ce petit bandeau lumineux, hein, à travers cet habitat qui rend vos voyages de nuit un peu plus éclairés. Et puis vous avez pas mal de plastique noir laqué. Certains aimeront, d'autres un peu moins. Et puis je vous disais tout à l'heure, ces petites poignées qui sont bien intégrées. Et lorsque j'ouvre la porte, j'ai mon siège électrique qui se remet en position. Siège électrique à deux mémorisations, siège chauffant, ventilé, avec aussi la possibilité de se faire masser. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important à bord d'une i17. Donc, le mot d'ordre à bord de cette i17, c'est un habitat qui tend vers le premium. Ouais. Effectivement, on tend sur du premium, on n'y est pas encore, mais il y a eu des évolutions par rapport. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens quand tu prends l'ID4 ou l'ID5 avec ce gros écran derrière le volant. Là, c'est fini. Volkswagen a tiré les leçons du passé et s'inspire. Ça fait quand même beaucoup mieux intégré que l'espèce de petite dalle numérique. Il s'inspire clairement de chez Skoda. De chez Skoda, hein. Ouais. Et ça fait beaucoup plus classe, plus intégré. Donc, on n'a pas deux grosses verrues, mais on a un écran, petit écran bien intégré. Même au niveau du regard, je trouve ça plus sécuritaire ça oui. Tombe plus facilement sous l'œil ici que en hauteur devant. Puis en termes de perception, c'est plus quali quand même. Ouais. Et là, on a une immense dalle tactile de 15 pouces qui est juste énorme, avec une vraie amélioration sur le software 4.0, ID.4.0. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Alors là, je suis déjà sur le menu, mais c'est vraiment très très fluide. On peut vraiment aller dans les paramètres, on peut changer la couleur par exemple, et ça marche direct. Regardez, c'est vraiment très très agréable. Donc là, ils ont vraiment fait un effort et ont compris un petit peu, tiré les leçons du passé, hein, Volkswagen. Bah, ils ont beaucoup été critiqués là-dessus, justement. Exactement. Sur la Golf 8, sur les ID3, ID4, ouais. ID5. Autocar, elle tend à être une voiture électrique orienté sur du premium, on n'est pas sur du généraliste. Effectivement, je parlais tout à l'heure des rembourrages un peu partout. Ici, de l'Alcantara dans les contreportes, plastique laqué noir, on aime ou on n'aime pas. Mais effectivement, on a quand même du plastique dur ici, du plastique presque pas dur ici, et un petit rangement en dessous, en plus de ce qu'on a juste là, avec cette petite trappe qui pourra, hop, se fermer. Et là, c'est plutôt quali. T'as vu là? Là, une sensation de caoutchouc assez quali quand même sur certains détails. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, démonstration en live de la boîte à gants. Alors là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on en met des choses. C'est une boîte magique où tu peux vraiment mettre pas mal de choses.
Dommage qu'elle ne soit pas réfrigérée. Tu pourrais presque mettre du champagne à l'intérieur. Mais regarde, allez, on va mettre les bouteilles d'eau pour voir. Mais t'en as mis des trucs, hein, regarde. C'est des petites bouteilles d'eau et tu peux en mettre pas mal. Donc ça, tu rentres encore tout le bras. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Bon, juste avant de prendre le volant, petite boîte à gants. Elle est vraiment petite. Hein, c'est pas sur ça qu'on attend, mais avec une matière un peu, un peu feutrée. Feutrine, un peu suédoine, je sais pas comment on appelle ça. Bref, allez. C'est pas un monospace, loin de là, mais il y a quand même des petits rangements assez pratiques, assez sympas. On a oublié de faire le coffre à l'avant, parce qu'on a fait le coffre à l'arrière, on parle de rangement, mais on va quand même regarder le coffre à l'avant, s'il y a un coffre, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un compartiment pour le coffre ? Je te laisse faire la démonstration. Alors, logiquement, on sait que dans les voitures électriques, normalement, il y a un coffre à l'avant, et un coffre à l'arrière, et un coffre à l'avant. Alors ? C'est un avantage. Mais pas ici. Ah ! Ici, sauf si vous voulez stocker des petits objets ici, ce qui est plutôt déconseillé. On va peut-être même déconseiller, effectivement. donc là, bah, malheureusement, point négatif sur ce point. D'autant qu'il n'y a pas de moteur électrique, je crois, à l'avant. Non, il est que à l'arrière. Il est que à l'arrière. Bon. Alors, tu voulais nous montrer quelque chose aussi d'intéressant sur ce volant. Alors là, ça bip de partout, les gars. Siège chauffant, ventilé, massant, ergonomique. Ah oui, c'est les clés. C'est les clés. Les clés, ils sont là, les clés, pas de soucis. Alors, tu voulais nous parler de l'écran et de tout frogo. Voilà, c'est ça. Puis il fait un peu poser. Il est vraiment énorme. Voilà. Mais dans le Tiguan, on retrouve exactement le même écran, la même taille, le même agencement, il a la même place. Ouais. Toujours déporté. Mais il est secondé par une instrumentation numérique qui est beaucoup plus grosse que celle-ci et du coup il fait moins seul au monde. Et les deux écrans sont rattachés ensemble, ils sont connectés ou pas ? Enfin, je veux dire, tu vois, visuellement ? Visuellement, ils sont collés. Ah. Il y a une séparation quand même, on ne peut pas envoyer une info de là à là. D'accord, mais ça fait comme dans la Golf 8. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ouais, donc ça fait comme une grosse dalle panoramique, quelque part. C'est ça. Bon, est-ce qu'on se retente l'expérience du toit à opacité ? Donc le contact est mis. Alors attention où tu mets ton... Ah, voilà, alors attends, est-ce qu'on voit à l'écran ou pas ? Vas-y. Ouais. Ah, là, on a un bel angle. Ah, c'est pas mal. Alors, tout à l'heure, on s'amusait à le faire, et en fait, ça c'est une question d'expérience, mais on s'amusait, et on mettait le doigt directement sur SOS, et le problème, c'est que quand tu fais ça, hop, et ben, voilà, t'as la gâchette du siège éjectable. Voilà. Pendant que Maxime, notre très cher Maxime, fait des photos intérieures, vous allez retrouver d'ailleurs son article sur le blog Cars Passion, un article dès aujourd'hui, dès maintenant. N'hésitez pas à voir son article, du coup, à le lire. De jour comme de nuit, comme cet éclairage d'ambiance, de qualité à bord. Alors les amis, vous allez avoir la réponse à la fin de la vidéo, mais pourquoi sur cette plaque allemande, il y a le E ? À votre avis, pourquoi et que signifient les trois premières lettres des plaques allemandes ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en bas, dans les commentaires. Alors, du coup, c'est moi le chauffeur. Allez-y. Alors, on est bien. Allez, je te laisse t'attacher. Et moi, avant de prendre le volant, je voulais vous montrer quelque chose d'assez dérangeant pour ma part. C'est pour régler les vitres arrière. On est obligé d'appuyer sur « rear » ici. Et là, je baisse la vitre arrière normalement, ou pas, parce qu'il faudra allumer le contact. Alors, mon cher Maxime, ça braque vraiment du tonnerre. Je sais pas, tiens d'ailleurs, je vais même descendre de la voiture. Je vais braquer à fond et je vais voir parce que ça braque du tonnerre. On est à 10,9 de braquage. Toi, t'as une explication pourquoi ça braque autant? Parce qu'on n'a pas de roue arrière directrice. On n'a pas de roue arrière directrice, donc en revanche, on a le moteur qui a été mis à l'arrière, ce qui fait que ça dégage toute la place entre les roues avant et elles peuvent braquer bien plus, avec un angle bien plus important. Effectivement, on voit les roues braquer à fond. C'est il y a un bel angle d'attaque. En tout cas, on a l'explication, pas de roue arrière directrice, mais des roues avant qui braquent très fortement. Alors toujours sur autoroute, puisque cette voiture, je vous le rappelle, c'est une grande berline routière pour les longs trajets, donc sur autoroute ça fait sens, c'est son terrain de jeu quelque part. Là vous avez le petit bouton magique assist qui permettra de désactiver ou d'activer toutes les aides à la conduite avec un raccourci bien situé ici, juste à côté du raccourci mode de conduite où vous pourrez vous installer confortablement dans votre siège avec une conduite plutôt éco, confortable, sport ou individuelle avec multiples réglages sur la suspension, la direction,
On a même un extérieur engine sound, c'est-à-dire je pense que c'est au niveau de la sonorité lorsqu'on appuie, vous avez peut-être, j'ai rien entendu en tout cas, une sonorité peut-être plus travaillée sur une voiture électrique, je sais pas si ça fait sens. Vas-y. Bon, qu'est-ce qu'il y a Maxime, t'as un truc à nous dire? Ben, je viens de faire une découverte pas très plaisante. Ouais. En fait, l'accoudoir central à l'arrière dispose de deux magnifiques porte-gobelets en apparence. Et en fait, ce qui ressemble à une coque quand on appuie au fond, et ben en fait c'est mou. Ah. Je sais pas si on va voir à la caméra. C'est mou et en fait ça donne directement sur l'assise, sur le dossier. Ah oui, d'accord. Donc en fait, petit conseil, ne mettez pas de boisson ouverte, sinon vous allez vous en mettre plein partout dans les routes de montagne. Ça risque de transpercer, ok. Voilà, même carrément, oui. Merci Maxime pour ce petit détail sur cette i17. Dernier point conso, les amis, on est à 20 kWh pile poil tout rond depuis 80 km d'autoroute, donc vous savez à quoi vous en tenir si vous faites que l'autoroute à 130 km/h avec cette Volkswagen i17. Alors sur autoroute c'est royal, hein. On a toutes les aides à la conduite, le travel assist, l'affichage tête haute qui vous donne toutes les informations utiles ici devant. Et puis surtout à l'arrière on a un passager quand même de luxe. Hein. Et qui est installé plutôt très bien en fait. Hein. T'es bien installé? On a un petit accoudoir. C'est confort? Ouais c'est confort. Mis les sièges chauffants apparemment? Je me suis mis les sièges chauffants qui sont très efficaces. Bon allez, j'espère que ça va bien se passer sur la suite du voyage. Nous on continue l'aventure et je vous donne tout de suite mon avis sur le comportement routier de cette berline 100% électrique. Alors, je sais pas si vous entendez ce petit bruit que j'ai activé tout à l'heure sur le mode sport. Écoutez. Ça le fait pas tout le temps. Non, bah écoutez, là ça le fait plus. Si, je crois que ça le fait, mais. C'est très léger quoi. Il est plus aigu en fait quand tu vas vite et plus rauque quand t'es lent. Ah ouais. Ah, c'est très subtil. Si j'avais pas activé le son, le sound d'exhaust, je sais pas quoi là, électrique. C'est bon, j'ai démarré. J'ai laissé Maxime au bord de l'autoroute. Allez, on se casse. Alors. Comportement routier, écoutez, on va faire le point tout de suite au volant, ça va être assez rapide, on est sur une grande berline routière électrique, accélération, alors ça c'est vraiment l'avantage des voitures électriques, c'est que les relances sont instantanées, dans un confort et surtout un silence appréciable, hein, qui participe du coup au confort. On est sur une berline grande routière avec un vrai travail de fait. Je passe sur un passage à niveau, on ne ressent rien pour vous dire. Vraiment un travail de fait sur les suspensions. Alors effectivement, on a ici sur ce modèle qui vaut plus de 73 000 euros, à peu près 5 000 euros d'options. On a les suspensions pilotées DCC qu'on vous a dit tout à l'heure et d'autres options qui participent au confort comme ces sièges confortables, ergonomiques, massants, ventilés. Bref, vous connaissez la chanson. On va tester le comportement routier et rien de mieux qu'un rond-point. Alors, et le freinage, oh, plutôt pas mal. Écoutez, on va tester le comportement routier. Écoutez, ça prend un peu de roulis, effectivement, quand on a le pied lourd sur l'accélérateur. En tout cas, Maxime, ça va à l'arrière? C'est parfait. Alors, je sais pas si on te voit, tu peux faire coucou à la caméra ou pas? Je suis là, je sais pas si je suis dans le cadre ou pas. T'es toujours en vie? Je suis toujours en vie. Et on ne sent absolument rien. Bon, accroche-toi, je vais mettre le mode sport. Et le mode sport, ça risque de décoiffer, entre guillemets. On a quand même 286 chevaux. Et on atteint les 100 km/h, hein? À peu près 6 secondes. 6 secondes, on est d'accord. Alors, ça relance plutôt, c'est pas mal. Voilà. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Voilà, ça permet vraiment de s'extirper du péage le plus rapidement possible. Alors, on va tester le comportement. Et en termes de confort, je sais pas si tu es comme moi, mais on ressent rien. On est bas. On sent quand on hausse le rythme, mais on n'est pas ballotté, on n'est pas, c'est pas inconfortable. Ah ouais. Et puis là, regarde, je prends un virage, ça vire presque à plat. Ouais. Ça pousse. Vraiment, c'est.
Ouais, assez bluffant, parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc assez, assez dur en suspension. Et là, il y a un vrai effort de fait entre un bon compromis entre confort au quotidien et amortissement en conduite dynamique qui permet de rendre agile un petit peu le châssis de cette Idizat. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Ouais. Bon, on va se refaire un nouveau virage. Même si c'est pas son terrain de jeu, même si on n'est pas là pour faire les records de chrono, je vous le rappelle, à bord d'une berline routière en plus électrique. Mais regardez, là, je vais prendre à haute vitesse ce virage. Ça ne bouge pas d'un poil. Ça garde le cap et la direction est assez précise. Alors, ça manque de moelleux peut-être sur le confort du volant, sur la jambe du volant. Je la trouve un peu fine pour une berline routière qui se veut un peu premium. C'est vrai qu'on est habitué peut-être, par exemple, chez BMW à avoir une espèce de grosse jante épaisse avec un moelleux. J'aime bien. Là, ça manque un peu de côté premium sur le volant. Et pour moi, c'est l'une des meilleures berlines routières électriques où on a envie vraiment de rouler et on prend même du plaisir à son volant. Vous allez peut-être même sourire, mais on prend beaucoup plus de plaisir au volant à bord de cette ID7 que sur une ID4 ou sur une ID5. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un vrai travail de fait sur le châssis avec ce nouveau moteur et ce nouveau châssis. On a vraiment un feeling avec la route et surtout aucune prise de roulis. Cher Maxime, tu sais que cette ID7, elle est éligible au bonus écologique 2024, chose qui n'est pas forcément évidente pour une Tesla Model 3 ou une AMG ou par exemple une Dacia Spring, qui ne pourra plus être éligible au bonus écologique, donc d'avoir cette réduction de 5 000 €. Pourquoi cette ID7, elle, a encore le droit de bénéficier de ce bonus écologique de 5 000 €? Tout simplement parce qu'elle est construite en Allemagne. Exactement, dans l'usine de Emden, voilà. Donc production 100% allemande pour cette Volkswagen ID7. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, on devrait assister dans les mois qui viennent à pas mal de rapatriements de modèles sur des chaînes de montage européennes. Tesla a déjà annoncé que la Model 3 allait être fabriquée exclusivement en Allemagne, il me semble. Bah, je pense que la Gigafactory est en cours de construction ou en cours de finalisation. C'est ça. Donc ouais, tout le monde rapatrie un petit peu ses usines de production en Europe, bah, justement pour encore bénéficier des différents bonus écologiques des différents pays européens. C'est ça. Parce que je crois qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi d'autres pays. Et puis tu as aussi Mini qui va rapatrier aussi la fabrication de ces Mini qui est fabriquée en Chine. Ouais. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est en 2025 ou 2026. Donc il y a le feu aux fesses pour certains constructeurs européens et chinois. Et chinois. Surtout chinois. Maxime, t'as un truc à nous faire voir, vas-y. C'est un petit détail, mais c'est plus si répandu que ça aujourd'hui. Quand on ouvre la fenêtre à l'arrière, eh ben, elle rentre entièrement dans la portière. Alors, bref. Surteinté, hein, vite surteinté. Ouais, vite surteinté. C'est une vitre qui isole bien. Merci Maxime pour ce détail. Voilà les amis, j'espère que l'essai de cette Volkswagen ID7 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce pour soutenir la chaîne. A très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao.